bienvenue à l'épisode Le Show du gars. Là, aujourd'hui, on va vous montrer, là, ça, c'est comme tu peux voir, c'est le nord du Nouveau-Brunswick. Qu'on a déjà fait Campbellton. Puis là, on va se rendre à la, un petit peu ici, là. On va se rendre à Pointe-Verte. À l'autre place, Petit Rocher. Puis on va se rendre à Nigadou. Puis on va se rendre à Beresford. Puis là, ben, on va commencer l'épisode. On va aller à Pointe-Verte. Puis on va aller à ce que la flèche. On va attendre que ça load un petit peu. Et le Parc Atlas. Allons-y. Ah, ben, bienvenue au Gang Show. On continue notre aventure au nord du Nouveau-Brunswick. Comme tu peux voir, on est à Pointe-Verte, au Parc Atlas. Est-ce que tu peux voir que c'est vraiment beau? Tu peux faire du bateau ici. Je pense que tu peux faire du canot aussi. Puis tu peux même faire des excursions en dessous de l'eau. Tu peux faire le scuba diving. Plongée sous-marine. Puis on va aller checker ça. On va aller au quai là-bas puis on va checker ça. Ah ouais, pas oublier. Dis bonjour le Beijing guy. Hey! Bonjour! Bonjour! Et on va aller checker en bas et on va montrer vous les trails ici là. On vient juste de montrer un petit peu la trail. Là. Comme j'ai dit, c'est une belle place pour venir prendre une marche. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup. Tu peux voir vraiment la nature ici. C'est le Gélinette huppé. Comme petit oiseau. Puis là, on n'est pas loin de l'édifice. Pas loin du quai. On peut aller voir visiter ça puis on va montrer l'emplacement. Toi, Laster, on est avec Nicolas Léger, le propriétaire du Parc Atlas. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Une couple de questions à demander. Quand c'est que Parc Atlas est venu, a été créé? Oui, ben, le Parc Atlas, dans le fond, le lac a été créé dans les années 50. C'était une carrière de calcaire. Donc, il y avait des camions qui amenaient du calcaire pour faire les driveways, pour faire les chemins de fer, etc. Puis, dans les années 90, après que le village de Pointe-Verte a acheté le site. Ils ont développé l'édifice, les sentiers, les installations comme les quais. Okay. Puis c'est depuis ce temps-là que c'est ouvert, puis ça roule. Comment que le monde pourrait trouver la place, l'emplacement? Oui, si vous voulez nous trouver, il y a toujours Facebook, Parc Atlas de Pointe-Verte, c'est ça notre name tag. Puis ça vous donne accès à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on poste, nos activités, nos contacts, les heures d'ouverture. Ça vous dit justement qu'est-ce qui se passe, surtout pendant l'été. On est ouvert depuis 2 semaines maintenant, puis jusqu'au 31 août. On est en plein dedans tout de suite. Là. Ah ouais? Oui. Vraiment bon. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu dirais que tu as ta plus grosse attraction ici? Ici, j'aimerais parler de la pêche en premier. On vient juste de faire le tournoi de pêche, le grand tournoi de pêche, le 14 et 15 juin. On a reçu cette année 325 à 330 pêcheurs qui se sont inscrits. Puis, on a sorti plus de 400 poissons pendant la fin de semaine. Ça a bien été malgré de la température. Les vrais pêcheurs vous diront que ça aide même quand il mouille des fois.
ça fait mordre le poisson un peu. Mm-hmm. Puis sinon, ben, tous les jours, sur la semaine 9 à 5, fin de semaine 8 à 8, la pêche est ouverte. On fournit tout l'équipement. Vous avez juste à payer votre poisson, que le poisson que vous pêchez. Mm-hmm. Donc, c'est 6$ la livre pour le poisson. Puis c'est de l'ombre chevalier, qui est un poisson high-end, haut de gamme, délicieux pour la cuisine. Puis vous pouvez l'emporter à la maison ensuite. Ça vous donne le goût de pêcher. À la maison, oui. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Ça fait plaisir. Puis à la prochaine. À la prochaine. Puis si vous voulez avoir plus d'informations pour le parc Atlas, on va partager le link en dessous de notre vidéo, par-dessus de la comment section. Puis on va continuer, puis on va vous montrer un petit peu en tour. Je souhaite que vous avez aimé Parc Atlas. Là, ensuite, on va aller à l'étang du Nord. Puis, on va aller vous montrer un petit peu ce qui se passe là. Alors, on se voit là. Voilà, ensuite, on est à l'étang du Nord, à Petit Rocher. On est avec Roger Boudreau, le propriétaire de l'étang du Nord. Quand c'est que vous avez commencé l'étang du Nord? 1985. Oui. Recevez-vous beaucoup de monde ici? Oui, on a eu des années qu'on vendait jusqu'à 40-45 000 trucs par année, ça prenait du monde. Simonac. Beaucoup de trucs, ça? Oui, pas mal. Êtes-vous ouvert tout le temps ou? Non, on ouvre seulement la saison d'été. Saison d'été? Oui. Qu'est-ce que vos heures? Nos heures, présentement, sont marquées de 10 à 5, mais quand la barrière est ouverte, c'est ouvert. C'est ouvert? Oui. Merci. Ben, merci beaucoup, Roger. Puis, à la prochaine, on va venir voir plus d'options ici. Là. Mm-hmm. Puis, là, on va vous montrer un petit peu de poisson dans le petit étang. Bienvenue sur Parc sur la plage, à Petit Rocher. Nous sommes ici à Petit Rocher, au Nouveau-Brunswick. Est-ce que tu peux voir en arrière de moi, ils ont un petit emplacement que tu peux voir, qu'ils jouent de la musique. Et disons, pendant la Journée du Canada, il y a beaucoup d'activités. Et on peut aller checker la plage, ce que vous voulez. Allons-y. On est au musée des mineurs, que présentement c'est fermé. On va venir de nouveau un autre jour quand ça va être ouvert. C'est situé à Petit Rocher, Nouveau-Brunswick. Dans le musée, tu peux voir toutes sortes d'affaires que les mineurs usaient dans longtemps passé. Peut-être qu'il y a des nouvelles affaires, je ne sais pas. Ben, on pourra voir, mais qu'on vient. Ça, c'est l'édifice.
Puis là, on va s'en aller à Beresford, Nouveau-Brunswick. Ah, puis il faut pas oublier le petit village de Nigadoo. À Nigadoo, il y a une belle petite place à se baigner. C'est un petit trou, comme ils disent en anglais, un swimming hole. Puis faut pas oublier les chutes de Nigadoo. Là, on est en chemin pour Beresford, Nouveau-Brunswick. On se voit là. Là, on est à Beresford, Nouveau-Brunswick. Et ici, on a une plage aussi. Puis, on a une belle petite place à marcher, comme tu pourrais, comme un boardwalk. Les belles marais qui passent. Là, on va aller visiter la plage. Puis, juste pour vous dire, merci pour avoir watché le Guy Show. Puis, à la prochaine épisode, on va être à Bathurst, Nouveau-Brunswick. So, on se voit là.